tous, aujourd'hui je vous propose un classique de Oscar Peterson qui s'appelle Hymn to Freedom, qui se joue en fa, qui est un blues. Et je vais faire déjà la première partie qu'on va déjà voir dans cette vidéo. Alors, on commence en fa. Donc, c'est sur deux temps. C'est une vitesse, je disais, lente, je sais pas, 70 à la noire, je sais pas, il faudrait écouter le morceau, mais c'est temps, un truc du genre, quoi. On va le faire tranquille. Fa. La. Sur. La sur do dièse. Chaque fois deux temps, donc fa, 1, non, 1, 2, la, ré mineur, ensuite fa, septième. Donc ensuite on passe au si bémol, si bémol, et on va faire un si bémol majeur 7, suivi par un si diminué. On rappelle que ça c'est un si septième, ça c'est un si mineur 7. Si je descends celle-là, donc si je descends la quinte, on a un si demi diminué parce que la septième reste où elle est, et si on descend la septième, on a un vrai si diminué septième. D'ailleurs n'est plus du tout une septième, vu que la septième majeure est ici, la septième mineure est ici, et ici on a carrément une sixième. Et on revient sur fa. Je reprends depuis le début. Fa. La sur do dièse. Ré mineur, fa septième, et puis ici ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de jouer toutes les notes à la main gauche de l'accord, je peux juste jouer basse et septième majeur, et ici je joue aussi la septième majeure et puis la tierce et la quinte. Et là c'est pareil, je joue la première et la dernière, et puis pour les autres je joue là je joue pareil la première et la dernière, et je joue la tierce qui est ici. Donc là je reviens sur fa, puis sur le fa on peut rajouter un. Truc de blues. Donc quand on a fait ces accords, on revient ici, deuxième fois. Fa, puis là on reprend sur do dièse, ré, et puis première sortie sol, et puis sur le sol on va faire.
une fois. Et puis ensuite, on va faire le Do. Et sur le Do, on va faire 4 accords sur cette mesure. D'abord un Do tout bête. Ensuite, Do sur Si bémol. Fa sur La. Do septième sur Sol. Et Fa. Le Fa, c'est pour revenir au début. Je refais la première partie. Terminer la première partie, enfin la deuxième partie de la première partie, et puis là on arrive sur un Sol mineur, donc Sol mineur, Ré mineur sur La. Bémol majeur, Do, et puis là on va retomber sur le Fa en faisant un. Donc depuis le Ré mineur, sur Fa. On refait un coup cette deuxième partie. Fa, La sur Do dièse, Ré mineur, Fa septième, Si bémol majeur 7, Si diminué. Voilà pour la première partie, et puis je vous ferai une deuxième partie très prochainement. Merci!